Vous savez, Job avait eu une mauvaise expérience. Je veux dire, il l'a traversée. Et ses amis ne l'ont pas aidé. Ils parlaient jusqu'à le blâmer et trouvaient toutes sortes de fautes en lui et ce n'était pas bon. Le verset 10 dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état et retourna sa situation quand Job eut prié pour ses amis. » Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Quand il eut prié pour ses amis. Maintenant, je dois être honnête envers vous et vous dire que je peux prêcher un message joyeux et laisser tout le monde sortir en sautant de joie. Mais cela ne marchera pas tant que vous êtes en colère contre les gens. Les promesses de Dieu viennent avec des conditions. La foi ne marche pas si l'on ne marche pas dans l'amour. Galates 5 dit « La foi agit et est alimentée et fortifiée par l'amour. Et l'amour donne et l'amour pardonne. » Trop de chrétiens sont en colère. Vous n'avez pas assez de temps qui reste dans votre vie pour perdre un jour de plus à être énervé contre quelqu'un qui se moque de si vous êtes contrarié. Amen. Eh bien, ils ne m'ont pas bien traité. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez leur faire payer cela? Ou est-ce que vous voulez que Dieu vous rembourse? Allez, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez vraiment passer votre vie à essayer de faire payer celui qui vous a blessé? Ou est-ce que vous voulez les laisser entre les mains de Dieu, prier pour eux et demander à Dieu de vous rembourser? Dieu dit, « Je vous rembourserai, je suis votre récompense. » Pourquoi ne pas juste croire que les gens blessés blessent les gens et que celui qui vous a blessé l'a fait à cause d'une certaine blessure dans leur propre vie ou un certain manque de savoir? Quelle bonne chose vous vient de détester quelqu'un qui a vraiment déjà des problèmes lui-même avec Dieu? C'est pourquoi Dieu nous demande en tant que ses enfants, priez pour vos ennemis, priez pour les gens qui agissent ainsi, occupez-vous assez d'eux pour vouloir les voir au ciel. N'aidez pas le diable à les détruire en les haïssant.